Ouais, il se peut que je suis sur un âne. Ouais. Ça vous choque? Bah non, c'est pas choquant vu que c'est dans Minecraft. Wesh wesh qu'à la pêche, c'est Ninjax, le mec méga cool. Non non, dites que je suis cool sinon je vous fume en fait. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un test de mode encore Bedrock. Effectivement, il y a 3 jours j'avais sorti une vidéo sur Minecraft Bedrock où je testais un mode Naruto. Et ben vous avez kiffé. Je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience avec un autre mode. Donc c'est encore une vidéo bonus aujourd'hui. Voilà, je fais des petits tests en ce moment. Parce que bah faut bien tester des choses dans la vie. Aujourd'hui, j'ai installé un mode Undertale. J'ai regardé des images, c'est encore mieux que le Naruto. Voilà, je vous spoil, c'est encore mieux. Tiens, qu'est-ce que je vois là au loin? Attendez, je prends ma longue vue. Vous avez pas encore mis de like et vous êtes pas encore abonné? Dépêchez-vous de le faire sinon je vous fume. Ouais, maintenant j'ai une longue vue pour vous regarder, voilà. Puis vu que je vous ai rappelé ça, bon bah générique. Pam pam, pam pam pam. Les modes random de Ninjax. Yeah, yeah. Bon, comme pour le mode Naruto, là il va se passer des grosses dingueries. Je vous ai dit, j'ai regardé des images et effectivement, il y a des trucs de ouf. Alors avant de commencer, je tiens à dire... C'est une belle vache. Je tiens à dire que je connais pas trop Undertale, donc m'en voulez pas, voilà, c'est tout. Ok, donc je regarde le menu et normalement, voilà, ici il y a les items de Sans, j'ai l'impression. Et normalement, si je vais dans œufs de créature, voilà, il y a tous les mobs qui nous intéressent là. D'après le mode, ces mobs vont me faire crasher. Voilà, je vous le dis, ces mobs vont faire crasher mon jeu. Bon, j'espère pas, mais on va voir. On va commencer avec la base des bases et on va invoquer Kara. Si je dis pas de conneries, c'est le personnage principal. Mais je peux sans doute dire des conneries en fait. Ok, bam, voilà, je l'ai invoqué. Ouais, il est pas impressionnant pour l'instant, mais c'est que le début, vous en faites pas. Je vous jure, ça va être impressionnant. Alors non, c'est le personnage de base, celui-là de Undertale. Bon, j'ai jamais joué Undertale, mais voilà. Et non, si je lui donne ça, voilà. Maintenant, il est pote avec moi, il me défend. C'est bien, vas-y, fume-le. Ah, mais pourquoi il y avait un zombie alors qu'il fait jour? C'est quoi ce délire? Bon, par contre, tu lui fais 0 dégâts, tu le butes quand tu veux, hein. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce zombie invincible? Non, mais c'est une blague, et ce zombie est réellement invincible. Ok, bien joué, enfin. On a pris du temps. Je peux l'asseoir comme ça me termine. Bon, ça vous impressionne pas? Bougez pas. Bon, y a plein de mobs que je connais pas, hein. On va voir au fur et à mesure, bien sûr. Oh là. Déjà, regardez comment c'est mauvais signe. Je prends ce mob dans les mains et regardez, je freeze. Mon jeu est à 3 FPS là. Ce mob me fait bugger, regardez, hop, je l'enlève, je bug plus. Hop, je le remets, je bug. C'est quoi ce délire? Vas-y, je vais le faire spawn, on va voir ce que ça donne. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kara, défends-toi. Oh mon dieu. Ok, c'est le bordel. Oh mon dieu, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je comprends plus rien au truc! Il y a une musique et tout! Attendez, faut que je... Non, me suivez pas! Oh, what the fuck! Quoi tout ça? C'est épileptique! C'est... Allô? Il se passe quoi là? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe! Je me casse d'ici! Il vient de se passer quoi là? Pardon? Mais attendez, c'est quoi ce que je viens d'invoquer là? C'est un mob de Undertale là? Attendez, on va prendre la longue vue. C'est quoi ce machin? Non, sans déconner, c'est quoi ce machin? C'est un rayon laser, ça. C'est. Je sais pas ce que c'est. Putain, et mon Kara qui est bugué là. Arrête de. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Arrêtez! Mais c'est quoi ce truc? Attendez, je vais essayer d'aller lui péter sa gueule. Non, il recommence. Il fait des trucs sataniques là. C'est trop stylé. Je déconne vraiment pas. Ah, je peux plus bouger! À l'aide! À l'aide, je suis bloqué! Aidez-moi, merci, je me casse de là, je me casse. Eh, mollo, eh, ils sont violents les mobs d'Undertale, je pensais pas, oh. C'est que le premier là, j'ai juste invoqué Undyne, attendez. Je vais tous les prendre, je vais tous les mettre dans ma barre, on va voir ce qu'il y a. Bon, j'en ai un, c'est une fleur toute mignonne. Ça peut pas être méchant une fleur toute mignonne. Je vous jure que si celle-là elle est méchante, bah j'ai plus foi au mode. Ok, vas-y, je t'invoque, t'es sympa, hein. Ok, ça fait flipper. Oh mon dieu. Ça balance quoi? Ça balance des croix? Ça balance quoi? What the fuck? Alors ça a l'air... Ça a pas l'air si méchant que ça, mais ça fait flipper. Ça fait méga flipper, c'est abusé. Est-ce que c'est un méchant ou un gentil? J'ai l'impression que c'est un gentil. Je sais pas, bah c'est une fleur pour moi, c'est forcément sympa une fleur. Mais c'est en train de buter tous les mobs du monde, donc voilà, on va dire que c'est un truc méchant. Ok, si je fais spawn Kara, et que hop, vas-y tabasse-le. Oh shit, elle se fait tabasser. Oh mais lui, elle tire des trucs, je savais même pas. Oh mon dieu. Oh, le combat! Elle se fait quand même tabasser la gueule, hein. Je tiens à dire. En fait, je sais même pas ce qu'elle vise, là. Et c'est un combat d'anthologie qu'on est en train de voir. Deux mobs avec 10 millions de points de vie qui sont en train de se buter, c'est incroyable. C'est quoi? Même toi, là, assis-toi, voilà. Reste assis, voilà. Fais-toi buter, moi je me casse. Bon, d'accord, bon, bah la fleur, elle était pas si sympa que ça, donc je la jette. Ok, le prochain mob que j'ai, il est très marrant, vous allez voir. Bah, marrant, bon, c'est quelque chose de spécial, on va dire. C'est très spécial. Ah, je suis mort, what the fuck. Ah, je suis mort. Vas-y, butez-le. Oh, le combat de ouf. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel de merde. Voilà, quand je vous disais que c'était très spécial,
c'est pas moi qui ai rajouté les voix au montage, hein. Je sais même pas si vous m'entendez bien là, mais c'est vraiment très particulier, voilà, on va dire, je vais me barrer d'ici, c'est bon, je me casse de là. Ouh, je vous avais dit que c'était spécial, putain. C'était quoi ce machin? C'était un Sans modifié, ça s'appelle Sanes. Bon, je le connaissais déjà, vu que j'avais déjà fait un truc avec lui, dans une vidéo sur ma chaîne secondaire, mais what the fuck. Et en plus, il faisait des explosions du futur, regardez, il est encore là, il tire des chats là, il tire des rayons laser chats, ils sont en train de se battre. Je vais les laisser se battre, hein. ils sont bien là en train de se battre, je pense. J'ai encore des mobs à découvrir, moi. Bon, le prochain mob que j'ai à tester, c'est le plus attendu, c'est Sans. Bon, c'est le seul que je connais aussi, donc let's go. Bon, il est juste mignon, il est juste cool. De ce que je connais, il est pas méchant, lui. Lui, il est pas méchant avec les gens, il est même pas méchant avec moi. Par contre, si je fais spawn un Kara... Oh shit, qu'est-ce qui se passe? À l'aide, pourquoi ça... Mon écran, qu'est-ce qu'il fait là? À l'aide, mon écran. Ok, ils sont en train de se battre. Oh, je peux pas louper une miette du combat. Let's go! Je mise 100 balles sur Sans. Mais ça me termine, il est en train d'esquiver toutes les attaques que mon perso est en train de lui faire là. Vas-y, Kara, vas-y! Ah! À l'aide, je voulais pas entrer dans le combat. Oh shit! Oh, okay, oh, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh le bordel! Ça devient trop bordélique pour moi. Oh, ça freeze. Je vais me barrer, faut que je me casse. Je pensais que je peux y retourner sans freeze parce que j'étais vraiment en PLS là au niveau freeze. Mais c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, tout ce qui est en train d'être tiré, c'est abusé. Ça me fait freeze de ouf. Mais il meurt pas lui! Pourquoi tu meurs pas? T'es immortel toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as 10 milliards de points de vie? Mais par contre, je pensais pas que ça allait être aussi stylé que ça parce que c'est vraiment badass de ouf là. Hein. Avec tous les rayons laser que Sans tire, c'est plutôt abusé au final. Bon, je vais vous laisser finir votre combat. Bonne chance, au revoir. Hein. Ça se finira jamais, mais tranquille. Bon, il m'en reste encore 2 ou 3 à tester. Il m'en reste 3 à tester, donc bon, on va voir. Hein. Là, c'est un truc qui s'appelle Gaster, je connais pas du tout. Alors, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es flippant, t'as une musique flippante en plus. Putain, j'ai dû cut le son de Minecraft pour pouvoir enlever sa musique de nul. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il est méchant si je fais spawn 1. Ok, d'accord, j'ai compris, il est super méchant. Il est en train de buter Kara, là. What the fuck, ok, il est en train de cramer la forêt. C'est... Oh, il crée des éclairs, il fait la nuit, c'est quoi ce truc? Oh, wow, mon jeu, s'il vous plaît, mon jeu. Je vais me barrer vite de là, je vais vite me barrer de là. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais qui est le mec qui crée ce genre de choses? Oh, shit. Oh, ok, super. Et sinon, il est vraiment comme ça dans le jeu parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant d'explosions et de crânes. Ok, je me casse, mon jeu va exploser au bout d'un moment, donc je préfère me barrer. Hey, il est comme ça aussi dans le jeu, votre pote? Parce qu'il est flippant quand même, là, vous rendez compte? Hey, j'ai sa version Halloween dans les mains, je sais pas si je l'invoque. Vas-y, je l'invoque, je suis un grand malade. Oh, il a mis la nuit direct. Oh, qu'est-ce que je viens d'invoquer, là? Il me regarde alors que je suis en créatif. Vas-y, je mets un Kara. What the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Ce mob est flippant, ce mob est ultra terrifiant. Je vais mettre plein de Kara, on va voir ce qui se passe. J'étais en gun mode. Comment tu m'as buté? Oh non, shit, y'a elle qui est revenue. Oh non, pas avec ses lances chiantes là. Par contre, on en parle de l'autre qui m'a buté alors que j'étais en gun mode. Genre vraiment, on m'en parle. Parce que bon, c'est pas normal. Je sais pas comment il a fait, mais il est très fort, voilà, je tiens à le dire. Bon, il me reste 2 mobs à tester, on va voir ce que c'est. Hein. Ok, let's go. Oh, il y a une page Windows. Pourquoi il y a une page Windows? D'accord. Il est vachement stylé. Il est même ultra stylé, je tiens à dire. Il est méga stylé, ce truc. Je vais invoquer un Kara parce que dans tous les cas, c'est mon... Oh, ça remplace les blocs au sol. Oh, c'est trop bien. Les Kara, de toute façon, c'est mes cobayes. Vas-y, fume-le. Ok. Il l'a one-shot, je crois. Bah, je la vois plus sur la surface de la plaine, donc il a dû la one-shot. Si j'en mets un autre. Allez-y, battez-vous. Oh, what the fuck. Ça m'impressionne. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Par contre, ça va un peu... Ouais, voilà, c'est un peu trop le bordel. Mais je trouve ça un petit peu trop stylé, les effets de lumière comme ça, là, qui créent les mobs. Franchement, il est classe, lui. À votre avis, je peux les faire se battre ensemble? Genre, par exemple, là, si je fais ça... Est-ce qu'ils vont se fight? Oh, ils essayent de se fight. Oh, ils sont en train de se fight, c'est trop bien. Bon, tu en as un qui a l'air un peu... Il y a trop de lumière, en fait, je comprends plus trop le bordel, là. Je vais pas au mytho, je vais me barrer, encore une fois. J'adore me barrer de ces situations, c'est trop... C'est très bien. Bon, il m'en reste un à invoquer, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais lui aussi, son image me fait freeze. Je cherchais pas pourquoi. Vu son image, il est terrifiant, voilà. Vu son image, il est terrifiant. Ok, je l'invoque. Qu'est-ce que ça a invoqué, là? Oh, il fait nuit.
Pardon? C'est quoi ce truc, wesh? Mais c'est quoi ce truc géant? Attendez, mais attendez, non, 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 non. What the fuck? C'est quoi ce truc géant? Qu'est-ce que je viens d'invoquer, là? Il est en train d'exploser mon monde. Qu'est-ce que je viens d'invoquer? Je suis en train de freeze petit à petit. Je freeze, j'ai 3 FPS. Non, je veux pas crash là-dessus. Faut fuir. Fuis, Ninjax, fuis. Cours, vite, loin. Je le vois plus et je freeze quand même. Ok, j'ai réussi à revenir sans qu'il fasse tout bugger. C'est quoi ce bordel de monstre? C'est ça le boss de fin de Undertale? Eh ben, putain, il est terrifiant. Je le dis, il est terrifiant. Mais c'est quoi ce bordel? Est-ce que je peux mettre un autre mob pour qu'il se fight? Genre, vas-y, je vais foutre plein de cara. Allez-y, battez-vous, fumez-les. Oh, j'aurais pas dû faire ça. C'est bon, j'ai le retour des 3 FPS. Oh, what the fuck? Mais c'est quoi? Pourquoi il y a des genres de papillons, de je sais pas quoi? Je me casse. Bon les gens, dernière particularité du mode, je peux me transformer en Sans. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. On va tester ça maintenant. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû tester ça en premier, j'en ai aucune idée, c'est pas grave. Ok, si je fais Sans mode, bam. Eh hey, wesh. Wesh wesh canapèche, comment ça va? Si Ninjax, le mec le plus stylé au monde. Eh hey, je ressemble à rien. En vrai je suis stylé mais vas-y je suis un peu flippé non? Attendez, c'est à dire que là j'ai les pouvoirs de Sans? Genre les vrais pouvoirs, genre si je fais ça. Oh c'est trop bien, je viens d'invoquer un crâne squelette pour m'aider. Ok, si je fais ça. D'accord, ça balance des os. Je suppose que la barre bleue là c'est mon mana. Bah il me reste déjà que 2 points de mana donc c'est un peu nul. Bon, ça permet de faire quoi? Oh ok, je peux me TP, d'accord, c'est intéressant. Par contre j'ai déjà plus de barre de mana, je peux plus utiliser de sort. Bon bah c'était rapide d'être Sans. Bah je le suis plus, voilà, parce que j'ai plus de mana. D'accord, j'ai voulu faire le malin avec le golem, bah il m'a buté. Wouah, ce mode est what the fuck.